L'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou a inauguré son tout premier bâtiment ce 19 janvier, d'un coût R plus 3, d'un coût de 472 millions de francs CFA. Ce bâtiment est un joyau architectural qui dispose de salles de classe, mais aussi de bureaux et une bibliothèque, une salle de réunion et une salle informatique. Il a été construit sur fonds propres de l'Institut supérieur de la population. L'inauguration avec Ahadi Sandamba. L'Institut supérieur des sciences de la population ISSP offre à l'Université Joseph Kizerbo son tout premier bâtiment R plus 3. Bâti sur une superficie de 400 mètres carrés, il compte 10 salles de cours, 11 bureaux individuels et un bureau paysager. Un cadre adéquat pour assurer la formation des cadres supérieurs en statistique. Et c'est une infrastructure réalisée à environ 471 millions et demi de francs CFA. Le bâtiment qui se dresse fièrement devant a été construit sur fonds propres de l'ISSP, comme l'a rappelé le directeur de l'ISSP, sur la base des ressources générées par des projets, les projets de recherche et les travaux d'expertise des enseignants-chercheurs de l'ISSP, avec bien sûr l'implication de l'ensemble donc du personnel. Un modèle économique mis en place par l'ISSP qui entre en droite ligne des objectifs du ministère en charge de l'enseignement supérieur. C'est véritablement une leçon que l'ISSP donne, et bien sûr avec Joseph Kizerbo, donne à l'ensemble des ISR. Comme quoi, il ne faut jamais toujours attendre que les soutiens financiers viennent toujours du ministère et du gouvernement. Avec une bonne gouvernance financière, on devrait être capable de prendre en charge nous-mêmes notre propre développement. Le bâtiment R plus 3 de l'Institut supérieur des sciences de la population va abriter, en plus du nouveau département des statistiques, le centre d'excellence de l'habitat et la chaire de recherche sur le déplacement forcé des populations en Afrique de l'Ouest. Deux centres spécialisés dont la mise en œuvre bénéficie du soutien de la Banque mondiale à travers l'UEMOA.